Nous sommes au centre municipal de santé transitoire, au cœur du quartier de la Redoute. Va permettre d'offrir les mêmes soins qu'au centre municipal de santé Roger Salengroux. Il offrira un cabinet médical supplémentaire. Donc notre offre de soins est l'offre classique des centres municipaux de santé, à savoir de la médecine générale, de la santé de l'enfant, de la santé de la femme, un pôle dentaire et donc des soins infirmiers. Le passage par le centre de santé transitoire va nous permettre de préparer l'installation et l'arrivée donc du centre municipal de santé unique qui s'appellera Madeleine Bresse. Il permettra une offre de soins beaucoup plus élargie avec davantage de cabinets. Au-delà de l'offre de soins, nous entendons développer les campagnes classiques de prévention. Nous terminons la campagne d'Octobre Rose avec énormément d'ateliers. L'objectif serait de devenir un centre municipal de santé universitaire et d'y accueillir une maison sport-santé. La ville de Fontenay s'efforce d'offrir une offre de soins plus importante dans un contexte de démographie médicale défavorable, en ayant une politique de santé attractive, plus dynamique. C'est un objectif important que s'est donné la ville de Fontenay-sous-Bois.